Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est plutôt la forme. On est sur les semaines un peu plus légères, hein, les 2 dernières semaines d'affûtage avant la course, parce que dans 7 jours, c'est le triathlon d'Obernai. Je me suis inscrit en octobre, et dans cette vidéo, on va parler des différentes sensations que j'ai eues, de la difficulté, de la fatigue. Enfin, je vous explique un peu tout. Allez, c'est parti. La prépa pour cette course a commencé en octobre 2022, quand je me suis inscrit et que j'ai décidé de participer à cette seule et unique course. Pour 2023, ce sera le seul triathlon que je vais faire parce que j'ai décidé de voir à long terme, de pas trop me concentrer sur les courses, mais plutôt de prioriser l'entraînement. Je fais quand même une petite course pour faire un test et quand même ça fait plaisir, c'est important d'y aller. Mais sinon, vraiment la base, c'est l'entraînement, l'entraînement parce que une course, ok, c'est sympa, c'est cool, ça se permet de se tester, mais généralement, bah voilà, il y a les 2 semaines d'affûtage comme là je fais actuellement, ce qui fait que tu progresses plus parce que tu es plus dans ton entraînement. Et ensuite, à la sortie de course, tu te rentraînes pas comme un acharné dès le lendemain. Tu as toujours besoin de quelques jours pour remonter progressivement. Donc là, on est à 7 jours du triathlon. La forme est plutôt bonne. La prépa depuis octobre s'est super bien passée. Alors les dernières semaines, attention, elles ont été hyper fatigantes. J'ai passé un cap. Je me suis approché des 20 heures d'entraînement par semaine, chose que je n'avais jamais fait. Donc autant te dire que le matin, le soir, l'après-midi, le midi, j'étais tout le temps fatigué. Parce que bon, tu te lèves, tu commences le travail, après tu as ton entraînement, tu reprends le travail, tu as de nouveau ton entraînement, faut s'occuper de la maison, etc., etc. À la fin, tu es quand même bien claqué. Mais bon, on fait quelque chose qu'on aime, donc on compte pas, on met les choses en place, le sommeil, l'alimentation, tout était calibré pour que je puisse augmenter au maximum ce nombre d'heures d'entraînement. Mais je m'arrêterai pas là. Le but, après le triathlon d'Obernai, c'est d'augmenter encore le nombre d'heures, avoisiner les 25 heures d'entraînement par semaine. Donc on va redescendre un petit peu au début pour réaugmenter ensuite, parce qu'on a de gros objectifs pour l'année prochaine. Mais ça, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo où je vous en parlerai. Durant toute cette prépa, je me suis beaucoup concentré sur l'entraînement pour progresser au maximum. Et là, ces derniers mois, j'ai cherché à perdre un peu de poids, parce que je suis grand, mais je suis aussi lourd. Je fais 1m95 et quand j'ai commencé ma perte de poids, je faisais 91 kilos. Donc j'ai commencé à réduire l'alimentation il y a environ 2 mois et depuis je suis redescendu à 86 et j'avoisine entre 85,5 et 86 kilos actuellement. Ce sera le poids que j'aurai à Obernai et j'aimerais bien viser pour l'année prochaine 81-82 kilos. Mais ça se fera progressivement. Concernant l'entraînement, dans une première partie de saison, j'ai commencé à augmenter le volume sur la natation et augmenter l'intensité sur le vélo et ensuite je me suis concentré principalement sur le vélo. Alors pourquoi dans tout ça je me suis pas beaucoup concentré sur la course à pied? Bah tout simplement parce que j'ai eu 2 petites coupures à cause de 2 blessures, mais je vous en parlerai quand on sera dans la partie course à pied. Et pour commencer, on va parler de la natation. C'est le sport peut-être le plus barbant et le plus compliqué à mettre en place. On a plein de freins, que ce soit les horaires, le temps de trajet. En hiver, il fait froid, t'as pas envie de te baigner. Et là en plus dernièrement, avec les restrictions de l'État, bah toutes les piscines ont. À part dans le sud, hein. Je suis allé me baigner à Nice, c'est 28-29 degrés au minimum, il fait même trop chaud. Mais nous, en région lyonnaise, ils ont baissé les températures, donc tu as une eau qui est descendue jusqu'à 25 degrés. Alors tu peux te baigner à 25, mais quand tu dois faire de la technique, faire des 50 mètres et pas t'arrêter, au bout d'un moment, c'est un peu froid quand même. En plus de ça, tu rajoutes la fatigue, etc., etc. Enfin voilà, c'est des freins, mais c'est pas des excuses. Donc, tu peux t'entraîner quand même régulièrement et tu peux vraiment beaucoup progresser. Ce qui a fait que j'ai vraiment progressé, c'est simple, hein. C'est une chose, c'est la régularité et le nombre d'entraînements par semaine. À partir du moment où, en novembre, j'ai commencé à m'entraîner 4-5 fois par semaine, là, j'ai tout de suite vu des progrès, mais des fois, en 2-3 semaines, je progressais plus qu'en 3 mois l'année dernière. Et ça, c'est vraiment impressionnant et ça fait plaisir. Parce que sur la natation, quand tu vois tes chronos descendre, t'es vraiment heureux. Parce que bon, les 50 mètres à faire du catch et du catch que tu t'es tapé, ça fait plaisir de voir qu'ils n'ont pas servi à rien. Je me souviens de séances où je passais que des 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Je nageais un petit 200, 300 mètres pour m'échauffer au début et un petit 300 mètres à la fin, histoire de faire quand même un peu de longueur. Mais sinon, j'ai passé des 50, 55 minutes à faire des 50 mètres. Et crois-moi qu'au bout d'un moment, quand tu fais 8 fois 50, les godilles là, comme ça, 8 fois 50, t'en as marre, t'en as marre. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la natation, et c'est comme ça qu'on progresse. J'ai réussi à sortir un 1000 mètres en 15,34 sans être à fond, donc j'ai eu la possibilité de le refaire tout de suite après. J'ai refait le même 1000 mètres en 15,37 ou 15,38, mais pareil, sans être fatigué. Donc je pense pouvoir me rapprocher sur un 1000 mètres dans un petit bassin à 15 minutes. Et ça, je suis vraiment content parce que si je prends en octobre, l'année dernière, octobre 2022,
Le 1000 mètres, je l'ai sorti et à fond en presque 18 minutes. Donc ça fait quand même une sacrée différence et un sacré progrès. Et sur la natation, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est le progrès. Parce que si tu vois ton progrès, t'es plus motivé, t'es heureux, tu retournes t'entraîner. Et malgré ce que j'ai dit au début, le froid, la météo, le temps, les horaires, etc. Et bah t'y vas, t'es content et t'arrives à être régulier. Et c'est comme ça que tu progresses. Maintenant, la partie vélo, j'ai augmenté d'abord l'intensité. Je me suis concentré donc de octobre à mars à augmenter l'intensité au maximum, à avoir de la force max, de la PMA, de l'endurance de PMA. Et ensuite, je suis redescendu en intensité pour me concentrer sur de la FTP et ensuite de l'allure de course sur des sorties plus longues. Évidemment, il y a des zones d'entraînement que je préfère. Je me souviens de mes séances de PMA. Alors toujours, la première, généralement, c'est compliqué. Et quand tu l'as fini, t'es vraiment heureux. T'es exténué, t'as plus de jambes. Généralement, pendant 48 heures, tes jambes, elles sont KO. Mais ça fait beaucoup progresser et il faut les faire. Quand j'ai réussi à faire ces séances-là, pareil, c'est un peu comme la natation sur les exercices techniques. J'ai vu les progrès tout de suite s'envoler. Les premières séances à FTP, c'était un peu pareil. C'est horrible, tes jambes, elles brûlent, c'est long. Et pourtant, c'est que sur des cycles de 12-15 minutes de FTP, mais déjà, t'en peux plus. Et après, quand tu t'habitues, là, pareil, ça va mieux. Et les allures de course, bah alors là, c'est vraiment le paradis. Tu forces pendant 20 minutes, une demi-heure. Tu forces quand même un peu, hein, parce que bon, c'est pas non plus de l'allure endurance fondamentale. Mais si tu compares au cycle de PMA, au cycle d'FTP, c'est vraiment rien du tout. En compensation, le volume d'entraînement augmente beaucoup. J'ai vraiment passé un cap sur le vélo. En octobre, par exemple, je faisais des mois à 15 heures d'entraînement. Donc tu vois, c'est pas énorme. Alors qu'au mois d'avril, j'ai passé presque 45 heures sur le vélo. Ça, c'est pareil, le vélo, c'est un cap important. Je vise vraiment de grosses performances l'année prochaine. Donc là, je vais me tester. On va voir le temps que je vais faire. Je vous parlerai de mes objectifs de temps à la fin de la vidéo. Maintenant, on parle de la course à pied. Alors là, c'est un petit peu différent. La course à pied, j'ai subi deux blessures. J'ai même pas fait 10 heures d'entraînement sur le mois d'octobre. J'ai augmenté progressivement l'intensité et le volume. À la fin de l'année, bah, la blessure est revenue parce que j'ai peut-être augmenté un peu trop vite. Et donc, j'ai dû redescendre et re-augmenter progressivement. Donc là, j'ai pas vraiment remis d'intensité, mais j'ai augmenté progressivement la durée des efforts, le volume total. Et j'arrive enfin à refaire des sorties longues, chose que je ne pouvais pas faire. Dernièrement, j'ai refait une sortie de 19 km, sans douleur, sans gêne, sans rien. Et là, j'étais vraiment content. Donc avant le triathlon d'Aubernay, j'ai pas vraiment mis d'intensité sur la course à pied. J'ai vu les progrès, parce qu'au final, il y a quand même l'entraînement croisé et le fait de s'entraîner à des allures plus faibles. On progresse quand même. Ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment content de pouvoir me réentraîner avec des intensités un tout petit peu plus élevées, mais surtout avec un volume horaire plus important et refaire les sorties longues. Parce que les sorties longues, j'en ai pas fait, mais depuis très très longtemps, si on enlève là le dernier mois. Bon, évidemment, pour revenir de blessure, hein, j'ai pas juste attendu. J'ai fait beaucoup de renforcement à côté. Le renfo, je l'ai arrêté il y a 2 mois environ pour me concentrer vraiment sur le reste parce que de toute façon, bah, j'avais pas le temps et pas l'énergie pour faire du renfo et c'est souvent la séance qu'on laisse de côté. Au niveau de cette prépa, dans l'idée, je suis plutôt content des progrès. J'ai réussi en plus à passer des caps au niveau volume d'entraînement hebdomadaire. Je suis passé à presque 20 heures ces dernières semaines. J'ai vu une grosse différence déjà quand je suis passé à 12-15 heures. Là que je suis passé à 20 heures, pareil, je vois encore une énorme différence. L'objectif l'année prochaine sera donc d'arriver à ces 25 heures d'entraînement. Pour le triathlon d'Aubernay, au vu de tout ce que j'ai mis en place, j'aimerais bien faire une natation en moins de 35 minutes, un vélo en moins de 2h45 et une course à pied en moins d'1h30. Sachant qu'on a 2 km 100 de natation, 82 km de vélo, mais on a 1600 mètres de D+. Donc ça va être costaud, ça va vraiment grimper, c'est un gros col, hein. C'est simple, c'est 27 km de montée. Ce qui ferait un total, si tout se passe bien, de moins de 4h45 pour la course. En attendant, il me reste une semaine pour prendre un maximum d'énergie pour la course et faire le meilleur résultat. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.